si proche pourtant. C'est ici que je veux mourir. Super bien écrit, ça a l'air que les Français ont peur de venir voir notre show parce qu'on n'est pas, dans les abonnements des théâtres. Ah, c'est quand même bizarre ça. Ouais, je sais. Ah, oh, mon Dieu, c'est long. C'est sûr que je vois la petite madame française là, devant son ordinateur, là, son portable, puis elle est genre là. Mais putain, je vais aller voir le no-show, mais je peux pas, il est pas dans l'abonnement. Mais qu'est-ce que je fais si je veux aller voir le no-show et qu'il est pas dans l'abonnement? Mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas, et en plus, je dois choisir mon propre prix. Est-ce que c'est 12 euros ou c'est 20 euros? Mais je comprends rien du tout. C'est ça, ils ont peur de pas nous comprendre. Ils pensent qu'ils ne comprendront pas notre accent. Mais là, je veux dire, on a joué à Avignon. Je veux dire, le monde, ils ont capoté sur nous. Je veux dire, c'est sûr qu'ils comprenaient ce qu'on disait. Puis en plus, moi, je pense que notre accent, limite, c'est un atout. Mais oui, on est spéciaux, là. Ils sont pas tannés, de toute façon, de voir tout le temps les mêmes spectacles. Molière, Tartuffe, Molière. Je veux dire, Molière. Ça fait genre 2000 ans qu'il est mort. Je sais que ça fait 2000 ans qu'il est mort. Venez-en. Le no show, c'est moderne. Oui. C'est bon. C'est québécois. C'est drôle. Vous allez aimer ça. Allez, la France, sors de ta maison et viens voir le no-show.